de 20h30. Bonsoir. Bonjour. Écoutez, aujourd'hui on a un sujet assez de Halloween. Et alors c'est trois enfants qui se sont fait assassiner dans la rue Saint-Pierre. C'était Saint-Yves. Okay. Saint-Pierre. Saint-Yves. Et alors nous avons interviewé un voisin qui s'appelle Nicolas. Alors on vous présente le reportage. Merci Gabriel, je suis là avec le témoin de l'assassinat des trois enfants hier après-midi dans la soirée de Halloween. Est-ce que tu as vu l'assassinat, c'est vrai? Oui, j'ai assisté à l'assassinat. Je n'ai pas pu voir les criminels de face. Oui. Mais j'ai réussi à voir l'un de leurs masques. Alors, c'était un masque de clown, assez effrayant. Et ils étaient vêtus comment? Ah, ils étaient vêtus. Enfin, j'ai vu que celui qui avait porté un masque de clown. Oui. Alors, il avait un jean noir, un peu bleu. D'accord. Noir bleuté. Et j'ai aperçu qu'il avait un t-shirt plutôt de couleur orange. Oui. Avec une tête de mort dessus. D'accord. Et c'était sur quelle heure plus, Alors plus c'était vers 8h30, 8h35. Merci. Et je te redonne la connexion, Gabriel. Voilà. Merci Jean-Pierre. Attends, un seconde. Ah oui, d'accord. Dernière heure. C'est bon, c'est bon. On va vous présenter les images de la caméra de sécurité placée juste au-dessus de la porte de la maison du personnage en question, Nicolas. Ça a capté quelques images de l'assassinat, mais certaines ont été censurées par cause de violence. Et de sécurité pour les enfants. Voilà. Impressionnantes images de ce meurtre. Donc on voit le cadavre. Quoi?